Bonjour. Dans cette série de vidéos, je vais, avec mon ami Thierry, vous présenter un système d'exploitation alternatif à Windows. Ce système d'exploitation offre un certain nombre d'avantages. Tout d'abord, c'est un système d'exploitation libre et gratuit, et il est très régulièrement amélioré et mis à jour. Par ailleurs, dans la majorité des cas, il ne nécessite pas de logiciel antivirus ou autre logiciel anti-malware. Ce système d'exploitation, nommé GNU Linux ou Linux, se décline en de nombreuses versions qui permettent, selon l'âge et la modernité de votre matériel, de le faire fonctionner de façon optimum. Dans cette série, nous vous présenterons la version Ubuntu qui est, actuellement, la plus répandue dans la galaxie Linux et qui convient parfaitement pour celles et ceux qui souhaitent trouver une version aboutie et qui offre une grande simplicité de fonctionnement. Cette version est notamment utilisée dans un certain nombre d'administrations et d'universités. Le système Linux, dans ses différentes versions, utilise des logiciels libres qui se substituent avantageusement aux logiciels propriétaires utilisés avec Windows. Je citerai la suite bureautique LibreOffice, le traitement de retouche d'image GIMP, le logiciel de lecture vidéo VLC, le navigateur Firefox, parmi les plus connus. Ces mêmes logiciels, utilisables sous Windows, fonctionnent de façon identique sous les deux systèmes d'exploitation, et vous ne serez donc absolument pas dépaysé si vous utilisez Ubuntu. Enfin, il existe une Logitech très fournie qui permet de télécharger les logiciels dont vous avez besoin sans risque de polluer votre ordinateur avec des malwares ou autres logiciels espions. Je vous invite, dans les prochaines vidéos, à découvrir Ubuntu. Vous pourrez ainsi vous faire une idée précise des possibilités offertes par ce système d'exploitation et par sa facilité d'utilisation.